Bon, c'est le début de l'automne, les gars. On est cosy. On est avec un petit pull bien col roulé, bien cosy, bien cocooning, t'as vu? Et donc, du coup, bah écoutez, aujourd'hui, on va attaquer la suite de 60 secondes. Et aujourd'hui, je vous promets, les gars, je vais sauver ma fille. Voilà, cette fois-ci, on essaye de sauver Mary Jane à tout prix. Et on va essayer de faire une run qu'on appelle la run mutante. Ça veut dire que Mary Jane, notre fille, si jamais on ne la soigne pas et qu'elle se fait piquer par des araignées radioactives, elle devient Hulk, en fait. Et il n'y a plus besoin de la nourrir, il n'y a plus besoin de lui faire boire. Plus ou moins, la run devient gagnée par définition, quoi. Donc écoutez, j'ai rarement eu cette run. Je crois que je l'ai eu une fois il y a 2 ans quand je jouais encore au jeu. Mais vas-y, on va tester de faire ça. Et sans plus tarder, attaquons 60 secondes. Comme d'hab, vous savez, nous, on va jouer en Fatman. On va pas jouer en Terre Bomba parce qu'on a clairement pas le niveau. Et bah vas-y, hein, on va jouer Ted. Allez, cette fois-ci, Mary Jane. Putain, Mary Jane, c'est vrai qu'elle prend 3 slots. Masque à gaz. Ok, déjà, on va faire ça. On va prendre le masque à gaz. Fusil. Et on va déjà faire ça. Ensuite, notre femme. Hop, notre femme, notre fils. On va d'abord prendre ces deux-là. On va prendre la carte. La carte, ça, c'est hyper important pour la run militaire. Il nous faut également le Scout's Guide et également... J'ai pris le jeu de cartes à la place de la trousse de soins. J'ai envie de me tirer une balle. Ensuite, bon, Mary Jane. Allez, Mary Jane, pour une fois, on va te prendre avec nous. Nope. Non ! Oh, le temps que j'ai perdu ! Attends, elle prend 3 slots ! Attends, la trousse de soins et la radio. La trousse de soins ! Et où est-ce qu'elle est, cette foutue radio ? Y a pas de radio ici. Merde, merde, j'ai pas la radio, j'ai pas la radio. La radio était là, la radio était... Non, 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 non. Oh, yeah. J'ai pas de bouffe ! J'ai pas radio, j'ai pas de bouffe. Bon. What? J'ai une radio? Oh la chance les gars. Bon par contre j'ai pas de nourriture les gars. Bon on les nourrit tous les 5 jours les gars. Donc grosse ration. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais déjà Mary Jane, majoritairement on va la faire rester dans l'abri et faire en sorte qu'elle se fasse piquer par des araignées, histoire qu'elle devienne Hulk. Ce sera She-Hulk du coup. O égale 0. Ah mec, il faut absolument qu'on fasse une excursion pour aller chercher de l'eau. Hein. D'après la radio, l'armée s'apprête à parachuter des caisses de provisions pour des survivants. C'est pas trop tôt. Avec tous les impôts qu'on paye, on mérite une caisse un ou deux, non? On y va les gars. J'espère juste que ça va pas trouer le masque à gaz. Si ça pouvait nous permettre d'avoir de l'eau et de la nourriture, chose que j'ai pas du tout récoltée, je suis tout à fait partant. Et bah let's go. Regardez, on a 2 bouteilles d'eau en plus et on a beaucoup plus de soupe. Ça valait le coup et en plus le masque à gaz est intact. Bon, je ne connais pas très bien les stats du jeu, mais cette fois-ci je ne vais pas être un père indigne, les gars. Calmez-vous, parce que le dernier épisode était en mode. Ouais, Henri, t'es cruel. En tant que père, je vais me dévouer pour aller chercher des provisions supplémentaires. Ok, c'est bon, personne ne crie. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, jour 5, tout le monde mange et tout le monde boit. Alors Timmy et Mary Jane ont besoin de faire du sport. Et laisser courir en liberté à l'extérieur semble un peu trop dangereux, mais ils pourraient jouer à chat perché dans l'abri. Doit-on laisser les enfants jouer? C'est mort, ils vont me péter la radio. Je pense que Ted va revenir tranquillement. Ça fait quand même un petit peu longtemps là qu'il n'est pas revenu. Alors qu'est-ce qui brille dans ta poche, Timmy? Oh non, des fourmis mutantes. Dolores a failli faire une crise cardiaque à la vue de leurs terrifiantes petites mandibules. Dolores veut s'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont le début de sa colonie de fourmis atomiques. Seul l'un d'entre eux pourra obtenir satisfaction, mais lequel? Ok, je crois que c'est les fourmis atomiques. Si on laisse les fourmis atomiques dans l'abri, elles vont commencer à mordre Mary Jane et Mary Jane va pouvoir commencer à se transformer. Ted, il revient quand là? Est-ce que j'ai tué le père dès le départ là déjà? Nous avons autorisé Timmy a gardé sa colonie de fourmis atomiques au déprimant de notre réserve de ressources. Les petites mutantes se sont échappées en pleine nuit, non sans engloutir une boîte de soupe entière avant de partir. Ah, la run mutante, peut-être qu'elle taxe de la soupe, j'avais complètement oublié ça. Non. Ted est mort. Ted est mort en fait. Il est parti aller chercher du lait, mais il n'est jamais revenu. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait des messages radio pour en apprendre plus sur le monde extérieur qui nous attend? Ça va être les militaires? Oui, le bruit de la porte. Qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené un cadenas, il a ramené le fusil intact, il a ramené un peu d'eau. Ah, il a ramené une lampe torche. Très bien, on est pas mal. On le savait, le gouvernement est toujours en place. Ils vont venir à notre secours. Putain, vous êtes combien à voter là? Vous voulez vraiment envoyer Timmy? Timmy, je suis désolé, ce n'est pas mon choix. Timmy, faut le forger. Timmy, il est faible. Mais justement, il est faible, vous allez le tuer si vous l'envoyez. T'imaginez pas recevoir un coup téléphonique quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut aller répondre? Allez Dolores, vas-y. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. Donc là, c'est la run des jumeaux. Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Si on veut faire la run Mary Jane mutante, il ne faut pas les écraser. Regardez comment c'est énorme, regardez-le. Ah bah, les gars, Timmy, il est où? Et si on profitait un peu de cette radio, il y a quelque chose qui se passe en moment. Ouais, on va l'écouter. J'aimerais bien que mon fils rentre aussi. Oui! Quand on parle du loup! Ah yes, Timmy. Il a ramené ma soupe, il a ramené de l'eau. Bon, ça c'est troué, ça c'est bon. Bah. Il a ramené une hache, les gars. Les cafards, ils commencent à s'accumuler. Mais il faut toujours les garder dans la logique de faire en sorte que ma fille se fasse piquer par un de ces insectes. Quel beau-père je fais quand même. Allez. Tout le monde peut manger, tout le monde peut boire. Jour 20, c'est bon, on est bien. Et on peut commencer à préparer une nouvelle expédition. Mais comment il est tombé malade, lui?
Bon, bah on va le soigner. Hein. On est confiant sur l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne. Bon, allez, Dolores, ma femme. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'un jeune homme qui se faisait un sang d'encre pour sa sœur jumelle. Elle a disparu alors qu'elle espionnait un camp de pillards pour mettre les mains sur les plans de leur nouvelle forteresse. Bon, là, c'est la run des jumeaux. Allez, Timmy, qui va. Tu vas quand même pas envoyer ton vieux père se battre. Nous avons toujours voulu un animal de compagnie. C'est du passé car maintenant nous avons notre propre élevage de cafards. Il faut quand même les éliminer. On garde les cafards. Qu'est-ce qui se passe, Ted? Pourquoi t'es encore malade? Ah, Dolores, tu es rentrée. Bon, Mary Jane est devenue folle. Ted est à moitié mort. La mère est très fatiguée. Mais qu'est-ce qu'elle a ramené de son expédition? C'est ça la question. Une soupe et deux bouteilles d'eau. Masque à gaz également. Bon, on va les pousser jusqu'au jour 30, ok? Oh non, Timmy est tombé malade. Ok, personne n'est mort. Let's go. Let's go. Tout le monde mange maintenant. Here we go again. Eh, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Mais Mary-Jane, quand est-ce que tu vas te transformer? L'armée a annoncé à la radio qu'elle ne viendrait pas. Du moins pas tout de suite. Ils ont demandé à tous les habitants de les aider à couper des arbres dans le parc d'à côté. Bon bah écoutez, on va aider l'armée hein. J'ai cassé ma hache. Let's go. Dernier jour, 35, je vais les nourrir. Bon bah ça fera plus de nourriture pour le reste de la famille. Elle va mourir sans médicaments de toute façon, donc autant essayer de tenter de récolter un médoc. Vas-y, le tout pour le tout. Bon, on est seul avec notre père. Les cafards semblent de plus en plus organisés. Moi j'ai jamais réussi avec les cafards, alors que les araignées j'ai réussi. On ne la soigne pas et qu'elle se fait piquer par des araignées radioactives. Non, je me suis pas trompé de run comme ça, quand même pas. Oh non, je me suis trompé de run comme un débutant. Mais elle est complètement devenue tarée cette fille. Par pitié, reviens maman. Merde. La mère est morte. La run militaire était bien placée. Hein. Oh, je suis dégoûté. Ok, cette run, elle est pas trop dégueu parce que la trousse de soins et la radio sont à côté. Ça fait déjà quelque chose de récupérer. Si je prends Timmy, ça et les... ça, on est déjà pas mal. Suffit de prendre ma femme, un harmonica, et on va partir pour prendre Mary Jane. Mary Jane, jeu de cartes. Après, il va falloir qu'on focus un petit peu nourriture. Le fusil, ouais, je vais le prendre, vous inquiétez pas. La hache. J'ai pas masse nourriture, mais... C'est pas la meilleure run, mais c'est pas la pire. Regardez, on a pas la carte. Bon, c'est clairement pas la meilleure, mais j'ai sincèrement connu pire. Il nous faut la run avec l'araignée, le père. Ça se trouve, il va trouver une carte, hein. Allez, fusil plus père. Allez, à manger et à boire. Ah, Ted, t'es de retour. Je peux savoir ce que t'as ramené, à part la maladie. Ok, donc il a ramené un masque à gaz pour remplacer le masque à gaz qu'on venait de perdre, mais il a rien ramené d'autre sinon. Et en plus, il nous nique notre housse de soins. Vous savez quoi, je vais pas le soigner tout de suite. Allez, on va écouter un peu la radio pour voir ce que le gouvernement a à nous dire. Ok, jour 10, on va pouvoir les nourrir. Allez, on emmène Tim. J'ai oublié de l'envoyer avec une arme. Va mon fils, deviens un homme. Eh, s'il arrive à survivre à ça par contre, godlike Timmy. On va parier sur le fait que Timmy, il va revenir avec une trousse de soins, ok? Ted et Dolores ne font que se disputer en ce moment. Aujourd'hui, ils sont disputés pour savoir qui devrait vider le seau. Ça devrait être autour de Dolores de faire quelque chose. Dolores a cédé et est parti vider le seau dehors. Mais quelque chose était placé contre la trappe et la bloquait. Non, pas quelque chose, mais quelqu'un. Mort ou profondément endormi, nous l'avons fait rouler loin de notre porte et nous avons trouvé quelques ressources au passage. C'était le corps de ton fils, Dolores, en fait. Hein. Timmy, qui revient avec une trousse de soins. Let's go, mon fils. Sans armes. Il a ramené une soupe, deux bouteilles d'eau, une trousse de soins. Ça, c'est mon fils. Tu es devenu un homme, Timmy. Later. Assez de rester assis, il est grand temps de sortir de ce trou à la recherche de ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe. Mon fils, maintenant que tu es devenu un homme, tu vas savoir manier une arme. Allez, let's go. C'est notre meilleur élément, notre fils. J'ai plus beaucoup de soupe ni d'eau, hein, par contre. Timmy, il a intérêt à ramener masse truc. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'une jeune femme vêtue de blanc. Et elle a immédiatement sorti la carte d'un camp de pillage. Elle nous a demandé de l'aider à délivrer son frère emprisonné. Apparemment, il y a eu de très mauvaises idées de provoquer le grand chef de la bande de pillards dans un combat à l'épée. Ok, c'est la run des jumeaux. Allez, c'est bon, on envoie notre fille. Ouais, Mary Jane, elle est costaude. Pourquoi il est tombé malade, lui? Il a une santé merdique, hein. Timmy, il a ramené une carte. Il a ramené des... Oh là là, nourriture aux cartes. Mais quel goat. Est-ce que je soigne Ted du coup ou pas? Je le soigne et après je l'envoie en expédition. Ouais, je pense que je vais soigner Ted et après on l'enverra en expédition. Lors de son expédition, Timmy s'est griffé avec un barbelé ou un bout de métal rouillé. Il ne nous a rien dit et sa blessure s'est aggravée, il va falloir s'en occuper. Là, Timmy va tomber malade, sauf que si j'utilise la hache, ça compromet ma run de survie. Ouais, elle est tombée malade. Désolé mon fils, c'est pour le bien de la famille. Vu que mon fils est malade, bah écoutez... Moi je propose de prendre Ted avec la carte, comme ça il peut ramener masse nourriture et masse eau. J'espère que ça va apporter ses fruits. No!
Donc au moment où on demande à Ted de partir avec la carte, il y a l'armée qui nous contacte et qui nous demande la carte. Ted, t'es qu'un connard. On entend que quelqu'un a frappé à la porte et un peu angoissant. Heureusement cette fois-ci il s'agit pas de marchands ambulants le sanguinaire, mais des jumeaux qui nous demandent d'utiliser la hache pour construire un petit camp formé de quelques maisons devant leur groupe. La hache, on l'a gardée. Là c'est l'heure de la ration générale, mais ça commence à être short là. Ted, il faut rentrer. Tiens, tiens, tiens. Mais quelle immense merde! Ton fils est meilleur que toi, Ted! Est-ce qu'on l'enverrait une troisième fois? Non, il est malade, il va mourir. Bon, vas-y. On envoie la fille. Oh! La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri à toutes jambes. A priori, il ne reviendra pas. Dur. Là, c'est moi et ma fille. Hein. J'espère que Mary Jane va revenir parce que si elle revient pas, c'est terminé. Et comme Ted a perdu la carte, je peux pas répondre à l'armée. Ma run dépend entièrement des jumeaux maintenant. Un marchand ambulant du nom de Willy nous a rendu visite. Apparemment, les affaires marchent bien. Franchement, les gars, est-ce qu'on donnerait pas le masque à gaz là? Vu comment la run des jumeaux est entamée. Oh, Mary Jane! Elle est rentrée avec quoi? Elle est rentrée avec de l'eau. Quelqu'un toque à la porte. Il y a quelqu'un derrière la porte, on a un peu peur, et c'est peut-être un soldat américain qui va nous délivrer. Est-ce qu'on ouvre? Alors peut-être la première win. Let's go, les jumeaux! Nos amis sont venus nous inviter officiellement à leur nouveau camp aujourd'hui. La civilisation nous manque. Peut-être que le monde n'est pas si affreux après tout. On a hâte de revenir à une vie aussi paisible que normale. Je tiens tout de même à remercier chaleureusement mon fils Timmy, sans qui tout cela n'aura pas été possible. Je tiens également à ne pas accorder de minutes de silence à mon mari Ted, qui aura été un boulet du début jusqu'à la fin. Merci Timmy. Bon les gars, c'était compliqué, mais au moins on a réussi à faire une win. C'était plutôt cool. Un grand tonnerre d'applaudissements pour Timmy, hein, qui aura carry les games du début jusqu'à la fin. C'est vachement cool, je suis content d'avoir réussi à faire une win. En tout cas, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.